Arrête cette saloperie! Bah, je fais ce que je peux, hein, merde! Arrête-les avant qu'ils s'échappent! Hyperion a kidnappé Roland? Sainte. Je veux dire, flûte! Jack n'a pas envoyé Wilhelm! Dis-moi que Jack n'a pas envoyé Wilhelm! J'ai pas vu de Wilhelm pour le moment. Alors, t'inquiète pas. Aïe. Aïe. Encore aïe. On doutait qu'il serait pas rechargé. Bonjour. C'est tellement mon style. Ouh, t'as laissé de l'iridium. Si. J'arrive, hein, 2 secondes. Laisse-moi le temps de m'approcher. Aïe. Et de rater mes tirs. Bah là, celui-là, je l'ai pas raté, désolé. Très bien. Toc toc. Qui est là? C'est moi. Ah putain, j'avais adoré ce moment. Sans pitié, qu'est-ce qui se passe? On s'entend plus avec tous ces bruits de tir. Et d'explosion. Réponse d'Hyperion. Là, c'est pas trop tôt. Voilà, $20 pour Roland. Et c'est mon dernier mot. Ok, ça continue d'exploser, c'est cool. $20 pour Roland. Le monde se dévoile. Ça fait quand même pas cher, hein. Pas ce que vous en pensez. Ah, vache. Ce shotgun commence à prendre un coup dans le nez, hein. On voit bien que j'en chie de plus en plus à tuer avec lui. Je crois que c'est ce que j'ai dans le présent épisode aussi, mais bon. En fait, faudrait qu'il recharge à chaque fois que je tue quelqu'un. Ça serait tellement pratique. Ceci ressemble à un passage. Foutu robot! Pitié! Pitié, non! Ah oui, d'accord. Voilà pourquoi j'arrivais pas à le tuer. Finalement, j'ai réussi. Ok, je l'ai eu finalement. Non, que dalle. Très bien. Hop là. Un porteur brutal. Ah oui. Grenade lancée. Donc j'arrive à voir les autres avant. Et comme je vais brûler, voilà. Ah, que j'ai plus de munitions! Hop les. Ah, que t'as plus de vie. J'aurais venu un qui a sauté là. Mais d'accord, il y a un mec qui a sauté. Hop les. J'ai complètement oublié ces drones. D'où est-ce qu'on passait, mes balles? Merci. Ah, je croyais que j'allais passer par-dessus. Autant pour moi. Ah,
Ah, allez, tu décèdes. Ça c'est fait, ils sont quand même vachement nombreux. C'est ça qui m'empêche de faire les choses comme il faut. Ok, ça se passe plutôt bien. Oh merde, ça continue encore et encore, c'est que le début. D'accord, bonjour, je sais pas. T'étais où avant, quand je suis arrivé? Ok. Allez, recharge. Je croyais que t'avais lâché du bleu. Je crois qu'il avait dit en 2017. Mais j'ai dû me tromper. Ok, bon. Au moins je sais à quoi m'attendre. Coucou. Plus ce constructeur qu'on puisse se tirer loin d'ici. Aïe. Non, non. Merci. Aïe. Les répareurs, explose-les. Tire sur cette saleté de constructeur. Mais je sais ce que je fais, merci. Plus d'abord le répareur. Il est où le répareur? On peut pas. Continue de tirer. Hop les. Au couteau comme papa dans maman. Ça c'était dégueulasse. C'était même du meurtre, hein, techniquement, du meurtre qualifié. Au couteau comme papa dans maman, c'était... What? Alors, je tiens à préciser que ce n'est jamais arrivé, hein, que je n'ai jamais tué la mère d'un enfant hypothétique que je n'ai pas. À coup de couteau. Ce n'était pas prévu comme ça, en tout cas. Enfin, que je sache. Elles sont tous là, est hypothétique, hein, encore une fois. Salut le porteur. Deux secondes. Hein. Hop là. Ok. Je peux. Voilà, essayer de lui tirer dessus. Merci. Cool. J'ai dit des choses que je ne pense pas. Dommage, c'était bien d'avoir ta. Non, tu veux pas? Ah bien. Voilà. Merde. On se retrouve à Sanctuary. Ouais. J'ai un plan pour stopper Jack. Cool, mais parce que moi j'ai un train à prendre. Ton aide. Tu as sauvé Roland? Ouais. Cette planète a besoin d'un héros comme toi. Ouais, je sais. Jack n'a pas envoyé Wilhelm. Tant mieux. Tu peux pas vendre des trucs de sac à dos en plus? Ah si, c'est là, je suis con. La maison reprend pas les articles achetés. Que je t'en vois pas. Oh. Parle-moi meilleur. Foiré. On est pas terrible, hein. On va en refaire un coup. Normalement, je suis pas censé, mais. Ouais. Allez, une troisième fois et c'est fini. Bah quand t'as pas de bol, t'as pas de bol. Bonjour à Murloc. Toutes les formes d'avion ont une certaine beauté, même les plus répugnantes. J'ai de l'argent et un problème. T'écoute. Avez-vous entendu parler de ces sales gosses?
On prétend que ces petites bestes se métamorphosent quand ils ont subi assez de dégâts. Voulez-vous bien prendre cet injecteur évolutionniste, je vous prie ? Excusez-moi. Ah. Splendide ! J'aimerais que vous contraigniez quelques sales gosses à se métamorphoser. Et pendant qu'ils seront dans leur cocon, enfoncez-leur cet injecteur. D'accord, oui, c'est pas... C'est pas du tout contre certaines lois éthiques, hein. La morale n'a rien à faire dans Borderlands, hein, je le rappelle. Mes yeux arrêtent pas de saigner. Mais non ! Tanis ? Si vous pouvez vous tenir tranquille, j'ai un travail à vous confier. Et t'as un shotgun à me donner, donc je prends. Un groupe de cobayes mutants s'est échappé de la réserve d'Hyperion. Bien qu'il puisse être intéressant d'observer leur façon de se réinsérer dans la société, ils doivent être neutralisés. Il faut d'abord les Comment est-ce que les bandits ont eu Allez chez Moxy et récupérer la plaque. J'étais en train de pisser et un bandit m'a assommé. Waouh, t'es sacrément con. Boum ouais. J'ai du nouveau pour toi. Le culte, ouais. Flamme éternelle. Alors comme ça, Lily t'a accidentellement créé une secte, c'est drôle. Je plaisantais, Roland. Je suis ravie de te voir. Oh. Donc j'ai inspiré un culte. Et pas le genre marrant qui fait que les gens vous demandent des autographes. D'accord. Il faut infiltrer les enfants du Faucon Ardent et découvrir ce qu'ils trament. Je me porterai bien volontaire, mais j'ai peur de les faire flipper s'ils voient leur déesse en personne. Jack va tous nous tuer si tu ne fais rien pour l'en empêcher. Mm-hmm. Ça veut dire bonjour. Roland dit bonjour comme ça. Ah, d'accord, merci. Ouais, pardon. Salut. Bonjour. Je vais être honnête avec toi, soldat. On est en train de la perdre, cette guerre. Ça fait des années qu'on essaie d'arrêter Jack. On bute ses hommes, on saccage ses mines d'iridium, mais ça suffit pas. Toi, par contre, tu as survécu face à lui. Tu as terrassé les écorcheurs et les sans-pitié. Tu nous as sauvés, Lilith et moi. Au fait, merci. Si on veut s'en sortir, on aura besoin de ton aide, chasseur de l'Arche. Bon, on croyait que Jack voulait ouvrir l'Arche pour nous rayer de la surface de Pandore. Mais d'après les infos que j'ai récupérées sur un convoi d'Hyperion, on s'est planté. Ah. Quoi ? Il n'a pas l'intention d'ouvrir l'Arche. Il veut la contrôler. Je sais que je me répète, mais quoi ? L'arche que convoite Jack n'est pas une prison alien, ni une planque d'armes. C'est quelque chose de vivant. Un ancien guerrier éridien, assez puissant pour anéantir toute forme de vie sur Pandore. Il suffit de le réveiller pour en prendre le contrôle. C'est assez flippant. Si Jack réveille le guerrier, ouais. Mais si on en prend le contrôle avant lui... On en profite pour rayer Hyperion de la carte. Okay, pour rayon Hyperion de la carte. Hein. On a un problème. Il faut qu'on récupère la clé de l'arche qui sert à réveiller le guerrier. C'est Jack qui la détient. Mais si jamais t'as causé avec Tanis... Elle n'a pas vomi quand elle t'a vu, au moins. Ça lui arrive parfois. Elle t'a peut-être dit que la clé doit être chargée en iridium. C'est une course contre la montre. Ouh, le coup. Chaque gramme de ce truc que Jack extrait le rapproche du moment où il réveillera le guerrier pour nous anéantir. Il faut donc qu'on mette la main sur cette clé de l'arche. Il y a quelqu'un qui peut nous dire où elle se trouve. Il est mon espion dans le Tundra Express. C'est un expert en renseignement. Mais aussi en biture. Il doit sûrement être en train de pioncer après une grosse cuite. On essaie de le faire bugger pour qu'à chaque fois qu'il fasse ça, en fait, vous voyez. En fait, en faisant ça, il se déplace très légèrement. Et du coup, il est obligé de gérer entre qui est le plus proche, moi ou elle. Enfin bref, c'était débile. Ok. C'était cool. Mon orteil est tombé ce matin. J'ai dû choper le Black Rose. Si t'as pas une arme incendiaire, Marcus peut t'en vendre. J'ai ce qu'il faut, mais je sais pas si elle marche en incendiaire. C'est ça, le truc. Oh, je devrais avoir ce qu'il faut. Je pense. Vous pouvez faire confiance à l'arme qui vous accompagne. 39 x 10, et je crois que j'avais... Non, j'avais mieux. J'avais mieux. Ok les amis, on a donc une chier de quête secondaire à faire, on va se les faire ensuite. On fera donc la suite de la quête principale et on fera ça dans le prochain épisode en tout cas. Salut les gens et yop!